Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Le Mode à la Mode. On est ensemble aujourd'hui pour découvrir deux bolides qui sont sortis par l'équipe de VRC Modding. La première, vous l'avez sous les yeux, il s'agit de la VRC Formula North America 2012. Basiquement, c'est une IndyCar DW12, hein, tout simplement. Mais sachez que les deux voitures que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas sous licence. Et donc, tout ce que vous allez voir comme sponsor seront des sponsors factices, ou en tout cas modifiés dans l'inspiration délivrée de l'époque. Ces voitures donc sont disponibles payantes. Il vous faudra communiquer votre adresse PayPal aux développeurs sur leur site, d'ailleurs disponible dans la description, pour pouvoir les acquérir. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir contacté pour vous présenter ces deux voitures. On fait un petit point technique, si vous le voulez bien, avec l'affiche de cette première voiture. 735 kg pour 740 chevaux, un rapport poids puissance de peu près 1, donc c'est très intéressant. Une puissance donc qui est développée par un moteur de 2 litres 2, c'est un V6 turbo qui peut développer peut-être jusqu'à 700 chevaux de base. Et cette voiture est dotée de la technologie du push to pass. Alors vous découvrez la voiture en version ovale, puisque oui, les deux voitures sont disponibles avec un kit road et un kit ovale, donc si vous souhaitez rouler avec cette voiture sur différents tracés. Accélération de 0 à 60 miles, c'est donc à 100 km en 2 secondes 8. Voiture qui peut atteindre plus de 290 km/h. Cette vidéo a été réalisée avec le volant Thrustmaster TSXW Racer. Vous retrouvez toutes les informations nécessaires dans la description. Pour vous parler un petit peu de cette voiture, on a ici le parfait exemple de ce que l'on a dans iRacing. J'ai trouvé la physique extrêmement proche avec l'IndyCar du jeu iRacing. Et on sent très bien le train avant collé au sol. Une voiture très convaincante et qui donne envie en fait de plus rouler en ovale qu'en road finalement. Un train avant très précis, un force feedback aussi très fort, hein. je roule à 100% et croyez-moi que sur ovale il faut tenir les bras. Pas trop de patinage, voiture plutôt stable, plutôt bien aidée par son aérodynamisme. C'est très prenant la capacité aéro de passage en virage de cette voiture. En même temps avec des kits pareils, vous me direz, c'est assez logique. Pas de distinction entre les moteurs, hein, c'est un modèle unique, simplement les livres échangent. Et au passage, vous en avez une petite vingtaine. Donc c'est un mode plutôt réussi, en tout cas de ce que j'ai pu tester. Vous avez vu différentes courses que j'ai pu effectuer. Au niveau de l'IA, c'est vrai que parfois c'est un petit peu brouillon, mais je ne sais pas si on peut vraiment mettre ça sur le compte du mode ou plutôt d'Assetto Corsa. Je vais vous laisser profiter de quelques plans de cette voiture en onboard et en extérieur, parce que le son d'ailleurs est plutôt réussi, et on se retrouve dans quelques secondes avec la deuxième monoplace. Ah, c'est un changement d'ambiance sonore radical. On retourne dans le passé 1999. Le championnat kart cartonne aux États-Unis. On y découvre de grands noms tels que Franchitti, Montoya, des pilotes qui ont marqué l'histoire du sport automobile américain et même mondial. Et donc avec ce mode, on se replonge dans cette saison 99 qui aura vu d'ailleurs le Colombien remporter le titre. Cette voiture est beaucoup plus... Comment expliquer ? Je ne dirais pas bestial, mais beaucoup plus basique. En fait, c'est vraiment la monoplace américaine typique.
pas beaucoup d'électronique, pas beaucoup de questions à se poser. Ça envoie du très très lourd. Alors en ovale, c'est très instable, énormément de vibrations dans le volant. Il faut vraiment s'agripper vraiment au volant pour pouvoir avoir quelque chose de tenace en courbe. Sinon, avec des circuits assez bosselés, on peut très vite partir à la faute. C'est une voiture qui est très agréable. Alors, est-ce que c'est la même chose que l'autre ? Non, parce qu'ici, on a une voiture beaucoup plus rigide avec un moteur qui est un petit peu différent quand même. Si on prend également la fiche technique, on est toujours sur 700 kg comme la précédente, mais ici, on monte à 960 chevaux. Vitesse max, plus de 400 km/h. Donc, l'accélération est à peu près semblable, mais la gestion de la voiture dans sa globalité est beaucoup plus dangereuse. Comme sa consœur, cette voiture est donc payante. Je vous invite à vous rendre dans la description pour avoir les infos, je vous l'ai déjà dit. Mais si vous devriez passer votre soirée à jouer, je vous invite à prendre vraiment celle-ci parce que elle provoque des sensations beaucoup plus intenses que la nouvelle Indy qui est disponible dans pas mal de jeux. On avait eu des modes cartes de l'époque, donc CART, hein, je prenais la carte, qui avait été disponible sur R-Factor 1 pendant longtemps et GTR 2, je crois. Mais celui-ci est très propre visuellement. Au niveau du son, je vais vous laisser en profiter aussi après, avant de conclure cette vidéo. Mais c'est très intéressant. Mais ce qui m'a le plus bluffé, c'est vraiment le force feedback. On peut passer et écraser la gomme sur le tarmac en un coup de retour de volant. Et ben, ça reste quand même récupérable. Donc, chaque fois que la voiture a un sursaut de puissance ou un sursaut de couple au sol, eh bien, on est un peu surpris. Et c'est vraiment ça qui caractérisait les voitures de l'époque. Bon, je suppose que si vous êtes un peu plus vieux, vous avez vu les films Driven notamment, qui parlent de cette époque, mais c'est très caricatural et très mal fait. Mais l'esprit de pilotage un peu de ces bombes est vraiment bien retranscrit dans ce mode, parce que c'est un championnat qui était encore très dangereux, il y a eu énormément de décès. Je crois que c'est cette année-là d'ailleurs que Greg Moore est décédé, si je ne dis pas de bêtises, alors là, je ne sais pas du tout. Mais il y a eu quand même pas mal de choses importantes qui se sont passées cette année-là. Précisons également que vous avez des physiques différentes qui sont fournies dans les fichiers du mode. Vous avez la possibilité d'adapter les skins. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur S-Department des modes qui vont pousser petit à petit pour refaire des skins de saison, sans doute 98, 99 et 2000. J'ai tourné cette vidéo vendredi, donc le jour où est censé sortir cette voiture et sa consœur. Je ne sais pas si je pourrais le sortir tout de suite, sans doute vous aurez cette vidéo le jour du Grand Prix de France ce dimanche, mais peu importe. En tout cas, deux voitures convaincantes, deux expériences bien différentes et pourtant elles sont sorties en même temps. Donc je vous invite vraiment à voir ce qui vous intéresse le plus, si vous êtes plus dans la modernité avec des monoplaces américaines très souples, avec un moteur très coupleux. Allez chercher la nouvelle Indy de 2012. Si vous êtes plus à l'ancienne et que vous êtes fan de monoplaces de cette époque-là, n'hésitez pas vraiment à plonger sur celle-ci. Je vais vous laisser profiter de quelques plans et on se retrouve en toute fin de vidéo pour conclure. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du Mode à la Mode. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. J'espère que cette présentation vous aura intéressé et convaincu. Si vous téléchargez et jouez avec ces voitures, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À la prochaine, ciao !